السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم في هذا العالم. سعيدة مرة أخرى بلقياكم في درس جديد من دروس أعدك أن تتكلم الفرنسية بإذن الله. من منا لم يلتقي يوما ما بصديق أو بزميل وأعجب بمظهره الخارجي وأراد أن يقدم له أو أن يجامله بهذا الخصوص؟ إذن كيف يمكننا أن نعبر عن ذلك باللغة الفرنسية؟ هذا سيكون درس اليوم بإذن الله. إذن بالفرنسية نقول faire des compliments, faire des compliments, ou alors adresser des compliments, ou tout simplement complimenter quelqu'un. Et là, on emploie le verbe. Alors, faire des compliments, ou alors adresser des compliments à quelqu'un, faire des compliments à quelqu'un, adresser des compliments à quelqu'un. D'accord, adresser, adresser des compliments à quelqu'un, ou alors complimenter, complimenter quelqu'un. Là, c'est elle fait. Blouga arabia ou jamais. Très bien, complimenter quelqu'un. Pardon. Voilà. Très bien. إذن اليوم غادي نطرقوا الى امرين فقط، لان في المجاملات، في باب المجاملات، ويمكن ان اجامل احدا ما في عده امور ماشي فقط في المظهر. اليوم غنتحدث عن المظهر بصفه عامه، وساتحدث كذلك عن اللباس. فبعض الاحيان احد من العائله، افراد العائله او صديق يرتدي لباس جميل وكتبغي تثني على هذاك اللباس وتقدم له اطراء على هذاك اللباس. هذا كيف يمكنك ان تقول ذلك باللغه الفرنسيه؟ اليوم غادي نبداو الان بالمظهر الخارجي، يعني لا بوتي الجمال. داكوغ، دونك وكيبقى هذا الشيء كامل كيبقى من الامور المحبوبه التي تبعث على القلب الفرح والسرور. Donc, en général, il y a des expressions que l'on peut employer. On a des عبارات يمكننا ان نستعملها. كيبقى فقط النعوت، يعني les adjectifs هما اللي كنغيروهم. كاين عده نعوت في هذا الصدد. Alors, donc عندنا la première expression هي c'est une expression qui relève du langage familier. يعني كنستعملوها في اطار ما بين الاصدقاء ولا ما بين الاقارب، الناس اللي قراب منا. وكتستعمل شفهيا، يعني ما يمكنش نكتبوها. سي افيك ليكسبريسيون كيسكو، غتقول لي هذه راه سيت اون كيسيون، نقول لك لا. هنا كتستعمل في جمله تعجبيه من اجل يعني اظهار اننا كتعجبنا او لا اعجبنا بواحد الشيء. داكوغ، كيسكو تو اي بو، كيسكو تو اي، هنا استعملت تو يعني صديق، صديق. داكوغ، كيسكو تو اي بو. وهنا غادي ندير واحد علامات ديال التعجب، لان سي اون فراز اكسكلاماتيف. كيسكو تو اي بو. تري بيان. الوغ، ممكن هذا تو هادي الا كنت كنتحدث مع شخص اوكين له احترام غتولي فو. داكوغ، دونك غادي نردها فو فو. وهنا غنصرف الفعل، دونك سافا دوفونيغ فو زيت، فو زيت. داكوغ، و بو غتبقى هي لان هذا سي ان فو. C'est un vous de respect. D'accord? De respect. D'accord? Vous êtes beau. Ou alors, il est une femme, je vais mettre belle. Non, au féminin. D'accord? Non, au masculin. Non, au féminin. Qu'est-ce que vous êtes belle aujourd'hui, Lyon? D'accord? Donc, qu'est-ce que tu es beau? Qu'est-ce que vous êtes belle? Qu'est-ce que tu es belle? C'est bon? Donc, Nara Fadriyat. Le masculin avec le féminin. Ou là, c'est blast tu, c'est vous. Ou le fait qu'il se rend automatiquement. D'accord? Donc, ou alors, je peux employer l'expression que tu es beau. Que tu es beau. D'accord? Donc, là, c'est faqat que. D'accord? Ou là, dit que c'est un mot académique qui t'a battu. Mais je ne sais pas rien. Que tu es beau. Ou alors que vous êtes beau, ou alors que tu es belle, belle au féminin, ou alors que vous êtes belle. D'accord? Vos mains. Très bien. Moukin, anamistem, jumla talia. Tu es tellement
tu es tellement beau. Non, c'est maintenant tellement, yani جد, جميل. جد, non, c'est un adverbe. Tellement, c'est un adverbe d'intensité. D'accord, tu es tellement beau. Ou alors, on peut dire tu es si beau. C'est la même chose. Donc, elle dit neuf chez, tellement aussi, mais qui connaît l'afro adjectif, net, neuf slimena, ce sont des adverbes d'intensité. Yani, vous êtes un jid jamil, ou là, un jid jamil, yani, tellement beau, tellement belle au féminin, belle, belle, avec deux L. C'est bon? Donc, hadou, on a trois expressions, mungkin bsad jiddan, faqat, n'arif ma amen atahaddat, ou je gastamel tu, ou la gastamel vous, wesh moudkar beau, ou la mouennat belle. C'est bon? Très bien. Alors, ma kish faqat ghir beau comme adjectif. Il y a d'autres adjectifs, khususan ma kin brin abbar ala anna hadak charsa jidda ra'a. يعني في قمة الجمال وفي قمة الروعة إلى آخره وهنا كنديرو شوية ليكزاجيراسيون يعني شوية زدنا فيه ولكن الأمور كتكون دائما في السياق كتكون مقبولة ومحمودة. ألوغ par quel adjectif puis-je remplacer l'adjectif beau? Mais des adjectifs qui désignent bien évidemment une beauté extrême. La beauté, je suis Zayda ou la Zaydanite. Donc je vais employer ces adjectifs. Romain, remplace le beau ou la belle. Non. Tu es tellement beau, tu es si beau. Mais des adjectifs pour angouler comme elle. Alors maintenant, je peux dire tu es. Pardon. Qu'est-ce que tu es? Splendide. Splendide. Qu'est-ce que tu es splendide? Ou alors que tu es splendide? D'accord? Donc magnifique. L'adjectif magnifique. Donc, il se joue le comme. D'accord. Superbe. 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 D'accord. Merveilleux. On t'a boumaï. نسبة المغفيو أو فيمينان اللي كنت كنتحدث مع أنت غتولي ليا مغفيوز الأخير أوز داكور مغفيوز كو توي مغفيوز تري بيان ألوغ عندي أن أوتر أدجيكتيف سي فابولو ولاحظوا معي بما أن النعت ينتهي بأو Alors, au féminin, ça va devenir fabuleuse. Que tu es fabuleuse aujourd'hui. Alors, fabuleuse. D'accord? Donc, on peut employer aussi l'adjectif merveilleux, fabuleux, superbe, magnifique, splendide, ravissant. Ou alors, ravissante. Au féminin. Voilà, qu'il y a des adjectifs achrin, mais qu'il y a des adjectifs achrin, il y a des adjectifs achrin, il y a des adjectifs achrin. D'accord. Donc, هاد النعوت كلها كدل على اننا ماشي فقط جميلين ولكن جد يعني درجة عالية من الجمال درجة عالية من الجمال لهذا ما كنصحكمش انكم تستعملوا هاد l'expression la had l'ibara mais had les adjectifs علاش لان هنا فاش كتقول tellement beau هذا يعني انك راك في درجه عاليه من الجمال الا استعملتي بلاصه مكان بو استعملتي هاد لي adjectifs غادي يولي بحال اللي ولينا في شيء من هي grammaticalement لغويا صحيحه ولكن ولينا شيئا ما بحال دو ليكزاجيراسيون شويه زدنا فيه بزاف كاع داكور كاينه اون ريبيتيسيون كاين واحد التكرار اللي لا داعي منه دونك اما غنستعمل tu es tellement beau tu es tellement belle tu es si belle داكور ou alors je vais dire tu es splendide tu es magnifique tu es superbe tu es merveilleuse si je m'adresse à une femme tu es fabuleuse tu es ravissante.
aujourd'hui. Voilà. Très bien. Ou alors, je peux employer qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es splendide aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es fabuleuse aujourd'hui? Ou alors que tu es merveilleuse, que tu es ravissante, etc. C'est bon? Très bien. On a une ibara thalitha li mumkin nstamelouha ou la rabi'a ta hiya katani annana ala qadr lyouma rahna zwinin bzaf ou la jamilin ou la hada. Fa mumkin tqoul dak l insan tqoulou tu es beau. Tu es beau. Comme tout. Alors, هنا في هذه الجمله هذه اش نوع عندنا؟ عندنا العباره comme tout. هاد comme tout يعني extrêmement. يعني بزاف. يعني au plus haut niveau. Voilà, يعني درجه عاليه. لهذا ما غنستعملش tu es splendide comme tout, c'est pas la peine. لان ما كنقول tu es splendide راه يعني انك على درجه عاليه من الجمال. كنظن انكم فهمتوا المعنى, فهمتوا اشنو بغيت نقول لكم من هذا الامر هذا. alors بالنسبه لهذه الاكسبرسيون comme tout, alors il suffit d'employer juste l'adjectif beau et cela veut dire que vous êtes extrêmement beau. Voilà, donc tu es beau comme tout, tu es beau comme tout. Il y a même des expressions que l'on peut employer pour dire la même chose. Tu es jolie comme un cœur. Tu es jolie comme un cœur. Alors, il y a beau mon kintouli au féminin. Tu es belle comme tout. Tu es jolie, rendez-le E. Comme un cœur. Voilà. في بعض الأحيان نريد ولا نحب أن نثني على طريقة اللباس. يعني بعض الأحيان اللباس الذي نلبسه هو الذي يضيف في جمالا على الشخص. أو لا نحن نعجب بلباس شخص ما في واحد المناسبة أو لا في يوم ما. كيف يمكننا أن نقول ذلك ولا نعبر عن ذلك بالفرنسية؟ Très bien. Alors, عندنا عبارات مختلفة اللي ممكن نستعملوا واحد منها كيفما هذوك اللي واحدة منها كيفما هذوك العبارات اللي شفتهم معاكم الآن بالنسبة للمظهر. سي بون alors vous allez dire donc وغنستعملوا لاحظوا معي حتى هذوك النعوت لي زادجيكتيف اللي استعملتهم معاكم سابقا فغنستعملوهم كذلك pour parler de l'habillement يعني طريقة اللباس. Alors je vous dis par exemple اليوم التقيت بواحد صديقة ديالي ولابسة واحد الفستان جميل donc je vais lui dire par exemple tu es superbe avec cette robe. Tu es superbe avec cette robe. Alors tu es superbe. لاحظوا معي هاد superbe واش ذكرتها سابقا ولا لا. Donc superbe ممكن حتى هي تكون دوك لي زادجيكتيف لي ذكرت سابقا نقول لك مثلا que tu es superbe. Voilà. Donc tu es superbe mais هنا راه كنتحدث على اللباس avec cette pardon avec cette robe. هاد cette robe لاحظوا معي. Donc regardez, je vais souligner deux mots. Superbe, on peut remplacer superbe par n'importe quel adjectif que je viens en fait de citer. Donc je vous dis par exemple, tu es ravissante avec cette robe, tu es magnifique avec cette robe, tu es belle avec cette robe. Donc c'est belle, c'est une robe, les hommes ne portent pas de robe. Donc tu es splendide avec cette robe. Tu es fabuleuse avec cette robe, etc. Et je peux remplacer cette robe avec, par n'importe quel habit. Donc, je vous dis par exemple, tu es superbe avec cette chemise. Tu es superbe avec ce pantalon. Tu es superbe avec ce jean. Tu es superbe avec cette tenue. Il y a une libesse camel, cette tenue, etc. C'est bon? Donc, la com, ouais, c'est un nadar. في اختيار الكلمات حسب السياق وحسب الوضعيه اللي نتوما فيها. تري بيان. الوغ اولا يمكنني كذلك انني نقول سيت روب نبدا بهذيك سيت روب سيت روب تو فا داكور ا ميرفيل ا ميرفيل. لاحظوا معايا سيت روب تو te. Alors, si vous parlez à quelqu'un que vous respectez, vous allez dire vous. Alors, va
ne changera pas parce que c'est cette robe qui va. Donc, cette robe, si c'était en fait ses habits, d'accord, ses habits, alors elle dit, je n'aurai rien dire, te vends, vends. Il y a vent. Alors, ça dépend. Si c'est, si le sujet ici est au pluriel, le verbe aller va se conjuguer à la troisième personne du pluriel et on va dire vont au lieu de dire va. C'est bon? Donc, Rina, cette robe te va à merveille. Si vous parlez en fait à une personne que vous respectez, vous allez dire cette robe vous va à merveille. C'est bon? Vous m'aidez. Très bien. Alors, en ce qui concerne à merveille, on peut garder en fait le début de l'expression, cette robe te va, et je vais dire te va très bien. Kintrasni, normalement, il fallait que je commence avec très bien, parce que très bien, à merveille, ou alors cette robe te va à ravir. À ravir. Voilà. Donc, trois expressions. باش ندوي على نفس الشيء يعني راه هاد راه جات معاك زوينه بزاف هاد اللبسه هادي ولا هاد الفستان جا معاك بزاف دونك فوالا دونك سكو فو بوفي دير فو بوفي رامبلاسي سيت روب بار نيمبورت كيل ابي بارفوا سو سون لي كولور فوالا اي فو ديت سيت كولور تو فا ا ميرفي او alors سيت كولور تو فا ا رافير سيت كولور تو فا تري بيان سي بون تري تري بيان alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi concernant les habits? Alors, parfois, vous dites à une personne, eh ben, les couleurs, ou alors les habits que tu portes sont bien assortis. Ou alors, les couleurs de tes habits sont bien assorties. J'en mets un badron. D'accord? Donc, quand on a un peu de temps, il peut être un peu de temps, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et que tu as déjà mal les libes que nous avons. Je ne sais pas si nous avons des libes réelles, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Alors, je vous dis par exemple, les couleurs de tes habits sont bien assortis. Sont bien assortis. Et l'ardomari, c'est un E du féminin parce que nous disons une couleur, une, c'est un nom féminin. Alors, et S, c'est le S du pluriel parce qu'on parle des couleurs. C'est bon? Très bien. Brigitte Roulet, Charcilma, Annak Lyon. Très élégant. Yoma anir jidda. Anta anir, vous lui dites tu es d'une élégance. Tu es d'une élégance. Tmenna ankoum khditou une capture d'écran. D'accord? Donc je vais effacer. Voilà. Donc tu es d'une élégance. Voilà. Tu es élégant aujourd'hui. Tu es élégant, élégant, ou alors vous êtes élégant, ou alors si vous parlez à une femme élégante, élégante, donc on peut dire tout simplement tu es élégant. Élégant. Si c'est une femme, je vais ajouter le E du féminin. Très bien. Nous avons une autre expression pour dire que l'on est vraiment très élégant. Alors vous dites à quelqu'un aujourd'hui tu es tiré à quatre épingles. Yannir klebes libes anir jidden mjibed mqad. Donc tiré à quatre épingles, les épingles normalement huma douk lmqabt bhal li rahna mjdoudin bel mqabt, mais c'est au sens figuré bien évidemment mjibdin mqadin. Donc tu es très élégant, tu es bien habillé, etc. Alors, vous dites, Hadi, c'est une expression, tu es tiré, ou rendez fois le E du féminin, tu es tiré à quatre épingles. Épingles. Voilà. Les épingles, d'accord, ou ma le mqabt. C'est bon? À quatre épingles, on dit واحد علامة تعجب لأنني j'emploie des phrases exclamatives. Très bien. Alors, بعض الأحيان, في بعض الأحيان,
li besouna kirir sindiana. يعني بعض الاحيان كاين واحد الشخص الى ارتدى واحد اللباس ولا غير طريقه اللباس ديالو كيبان اقل سنا من السن ديالو الحقيقي، كيبان صغير وشباب الى اخره. يعني حنا عارفين ان اللباس كيغير حتى المظهر، يغير من الانسان. دونك كيسك فو بوفي لوي دير؟ alors vous lui dites vous faites ou là tu fais, là quand tu parles مع شخص صديق او هذا. Donc tu fais plus jeune que ton âge avec cette tenue par exemple. Alors tu fais plus jeune que ton âge Quoi, j'explique pourquoi avec, par exemple, avec cette tenue. Donc, كل كم تكونوا متفقين معي أن في بعض الأحيان فقط إلى غير طريقة لباسي إما أبدو أكثر شبابا أو لا أبدو أكثر كبارا في السن. Donc هنا استعملنا لأن on est dans le positif, on est dans les compliments, complimenter une personne. Alors on va dire tu fais plus jeune que ton âge avec cette tenue. D'accord? Si vous parlez à quelqu'un que vous respectez ou alors dans un contexte officiel, vous pouvez lui dire vous faites plus jeune que votre âge. Donc ça devient votre au lieu de ton. Votre au lieu de ton. Vous faites. بخصوص المظهر ديالو بخصوص اللباس ديالو الان سنمر الى لا ريبونس يعني comment répondre à un compliment de façon polie comment vous pouvez répondre à un compliment c'est ce qu'on va voir tout de suite alors pour répondre à un compliment on peut dire tout simplement oh merci pardon Oh, merci. D'accord? Ou alors, vous pouvez dire merci beaucoup du compliment. Merci du compliment. Ou alors, merci beaucoup du compliment. D'accord? Ou alors, vous le dites j'apprécie. Ça, c'est en fait dans un cadre un peu officiel. J'apprécie votre ou alors ton, ça dépend. Compliment. Et dans un contexte, soi-disant décontracté, vous dites par exemple, arrête, tu vas me faire rougir. Donc c'est une façon de dire que donc arrête, tu vas me faire rougir, ou alors arrêtez, vous allez me faire rougir. Voilà, dans un contexte, soi-disant décontracté, voilà, donc arrête, tu vas me faire. يعني راك حشمتيني كيف كنقولوا حنا باللغه الدارجه ديالنا. Donc arrête, tu vas me faire rougir. Donc ou alors vous pouvez vous contenter de merci beaucoup, merci du compliment. Voilà, merci. Alors merci du compliment, merci beaucoup du compliment. J'apprécie beaucoup votre compliment. Ou alors arrête, tu vas me faire rougir. Voilà, merci. Merci beaucoup aussi de votre attention. Ma vidéo touche à sa fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.